ici à la pharmacie à Paquetteville. Justement, ça fait environ un bon 15 à 20 ans là, que c'est ouvert déjà. Il y a eu 3 propriétaires. Je suis la troisième. Puis on est environ 10 à 12 employés, dépendant des temps un peu. Là. Puis on dessert toute la région de Paquetteville, le grand Paquetteville, avec tous les entourages aussi. On va jusqu'à Bertrand, on va jusqu'à Notre-Dame. On s'étend vraiment sur toutes les petites communautés qui sont alentour. On essaie vraiment de faire un axe sur la santé en général, ce qui est le bien-être du client comme tel, là, en tout ce qui contient sa santé. Ce qui nous différencie chez Family Prix en tant que bannière et ici à Paquetteville, je dirais spécifiquement, c'est vraiment notre service axé sur le client. Un aspect familial, une place où il fait bon venir à la pharmacie, où ce qu'on se sent chez soi, on se sent bien pris soin. C'est un beau service avec un beau sourire. Encore là, je vais revenir sur l'aspect qu'on prend la santé en main, que ce soit la jeune maman, la nouvelle maman, que ce soit une personne plus avancée en âge avec plus de médicaments, plus de choses à gérer. On essaie vraiment d'avoir ce service-là axé sur le client, pour le client. J'ai un très bon service chez Family Prix ici à Paquetteville. On se connaît tous, on est une petite localité. Ça fait la plupart du monde connaît les employés qui sont ici. Marie-Claude est une très bonne pharmacienne parce que c'est qu'elle nous donne un bon service en nous expliquant comme il faut qu'est-ce que c'est qu'on prend comme médicament. Puis s'il y a des interactions, puis s'il va y avoir des effets secondaires, ça fait, pour moi, c'est ma place de choix pour venir chercher mes médicaments. Chaque client est vraiment comme s'il était un membre de la famille, puis j'essaie de prendre ses soins vraiment avec cette attitude-là en allant de l'avant. Puis j'aime ce côté-là de ma carrière. Je suis, oui, propriétaire d'une entreprise, oui, propriétaire d'une pharmacie, mais je m'introduis toujours comme pharmacienne propriétaire. Je suis pas propriétaire en premier lieu, je suis vraiment pharmacienne.